on a déjà vu que la somme des angles intérieurs d'un triangle fait 180 ⁇ Donc si la mesure de cet angle est A, la mesure de celui-là est B et la mesure de celui-ci est C, tu sais que A plus B plus C égale 180 ⁇ Mais que se passe-t-il lorsque tu as des polygones avec plus de trois côtés Essayons avec un polygone à quatre côtés, avec un quadrilatère. On va le prendre irrégulier de façon à démontrer que quel que soit ce quadrilatère, cela s'applique même si tu n'as pas d'angle droit, de droite parallèle, etc. Vu qu'on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180 ⁇ essayons de diviser notre quadrilatère en deux triangles. Si tu dessines une droite comme ça, tu as tes deux triangles. Donc si tu as un angle A ici, B ici, C ici, tu sais que A plus B plus C égale 180 ⁇ et si tu as un angle x ici, y ici et z là, tu sais que x plus y plus z égale 180 degrés. Donc si tu veux avoir la mesure de la somme de tous les angles intérieurs de ton polygone, ça va te donner b plus z, ce sont deux angles intérieurs de ton polygone, plus cet angle qui va être a plus x. A plus X est tout cet angle, plus tout cet angle qui va être C plus Y, C plus Y, et tu sais déjà que A plus B plus C égale 180 degrés. A plus B plus C est 180 degrés, et tu sais que Z plus X plus Y est égal à 180 degrés. donc plus 180. Et tout ceci est égal à 360 degrés. En gros, il te suffit de trouver en combien de triangles tu vas avoir à diviser ton polygone. Et ensuite, tu multiplies par 180 degrés, étant donné que chacun de ces triangles aura une somme d'angles de 180 degrés. Voyons un exemple particulier de plus, et ensuite on essaiera de généraliser. Voyons combien de triangles peut-on faire rentrer dans le polygone suivant. Un pentagone irrégulier. 1, 2, 3, 4 cinq côtés. Une fois de plus, on peut dessiner plusieurs triangles distincts dans cette forme. En voici un premier là et un second là. Donc on peut diviser ce pentagone en trois triangles qui ne se chevauchent pas. Voici le premier, le deuxième et le troisième. Tu sais que la somme des angles de chacun de ces triangles va faire 180 degrés et tu sais aussi que la somme de tous les angles intérieurs de tous ces triangles va te donner la somme des angles intérieurs du pentagone. Ici, tu as un des angles du pentagone. Ici aussi. Si tu additionnes cet angle et cet angle, tu auras cet angle du pentagone. Si tu additionnes celui-ci et celui-ci, tu auras ce grand angle-là. Et enfin, si tu prends la somme de celui-ci, de celui-ci et de celui-là, tu obtiens tout cet angle intérieur-là. Donc, si tu additionnes tous les angles intérieurs de tous les triangles, tu obtiens bien la somme de tous les angles intérieurs de ton pentagone. Donc dans ce cas, tu as 1, 2, 3 triangles. Donc 3 fois 180 ⁇ est égal à quoi À 540 ⁇ Essayons maintenant de généraliser tout ça. Pour ce faire, revenons au premier polygone que l'on a étudié. Pour obtenir nos deux triangles ici, on a utilisé les quatre côtés de notre quadrilatère. Dans notre pentagone, on a dû utiliser 4 des 5 côtés. Donc, quatre côtés donnent deux triangles et il semblerait que pour chaque côté supplémentaire, on obtienne un autre triangle. Vérifions cela avec un hexagone. Donc voici 1 2 3 4 5 6 côtés. Et là, tu as un triangle avec ces deux côtés. Tu peux avoir un autre triangle avec ces deux côtés. Et on dirait que tu peux avoir ensuite un triangle avec chacun des côtés restants, un avec ce côté et un autre avec ce côté. Il semblerait donc que si tu as S côté, si tu as un polygone à S côtés, et l'on a déjà vu pour quatre côtés, cinq côtés ou six côtés, donc pour S supérieur à quatre côtés, voyons combien de triangles distincts on peut faire rentrer dans notre polygone à S côtés. Et comme ça, on n'aura plus qu'à multiplier ce nombre par 180 ⁇ pour savoir quelle est la somme des angles intérieurs de ce polygone. Essayons donc d'exprimer ce nombre de triangles en fonction du nombre de côtés. Déjà, on a quatre côtés utilisés pour former deux triangles. Donc on a deux côtés comme ça et deux autres côtés comme ça. Pour l'instant, on va se concentrer sur eux sans se soucier de ce qui se passe par là. Donc, avec ces côtés, on peut dessiner un triangle comme ça et un autre comme ça. Donc, quatre côtés ont été utilisés pour deux triangles. Et quel que soit ce qui se passe ici, il semblerait que l'on ait un triangle par côté supplémentaire. Un triangle avec ce côté, 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 et enfin, un triangle avec ce côté. Donc par exemple, cette figure bizarroïde que tu as là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés, c'est un décagone. Et dans ce décagone, 4 côtés ont été utilisés pour former 2 triangles. Et depuis les 6 autres côtés, on est en mesure de former 1, 2, 3, 4, 5... Attends, laisse-moi vérifier que l'on a bien compté les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés. Oui, c'est bon. J'ai dû rater quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de tracer un des segments ici. Et du coup, j'ai mon triangle manquant. J'ai mes deux triangles du départ et les six autres triangles provenant des six côtés restants. Donc, huit triangles en tout. Si l'on revient à notre fonction, ça nous donne le nombre de triangles que l'on va noter comme ça va être égal à deux plus, on a déjà utilisé quatre côtés, donc tu as un triangle par côté qui te reste, soit s moins quatre côtés qui te reste. Donc, le nombre de triangles va être égal à deux plus s moins quatre. C'est-à-dire s moins deux. Donc, si tu as un polygone à s côtés, tu peux créer S-2 triangles distincts à l'intérieur. Sachant cela, la somme des angles intérieurs de ce polygone va être égale à S-2 fois 180. Donc si on te donne un polygone à 102 côtés, c'est-à-dire S égale 102 côtés, tu sais que la somme de ces angles intérieurs va être égale à 102 moins 2, c'est-à-dire 100 x 180, qui est égal à 180 avec deux zéros de plus à la fin. C'est-à-dire 18 000 degrés pour un polygone à 102 côtés.